Lundi 25 juin 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti, mais un grand titre pour Assoya. Président République là, Jovenel Moïse inauguré samedi 23 juin dans la commune Trou du Nord, un centre de formation professionnelle pour jeunes apprendre métier. Examen baccalauréat a commencé jeudi lundi 25 juin sur tout territoire national. C'est environ 144 000 candidats qui ont subi épreuve sorti 25 pour arriver 28 juin. Deuxième édition Haïti Tech Summit réalisée vendredi 22 et samedi 23 juin sous Côte des Arcadins en présence de plusieurs personnalités, tant que fondateur application Twitter, Jack Dorsey. Président République Jovenel Moïse, dans ces circonstances-là, renouvelé engagement pour travail pour développer le pays. Dans l'occasion 47e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir Jodia, directeur général radio à télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin. Dans l'occasion, directeur général RTNH l'a présenté travail réalisé dans l'institution à perspective liguéen. Naturalité en l'autre bord de l'eau, président turc, Recep Tayyip Erdogan, réélu pour un cinquième mandat dimanche 24 juin, il a remporté l'élection Sayo depuis un premier tour à 52,5%. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres Sayo à quand pile l'autre information nous prend le poté pour dans le journal là, pour Assoya. Il faut encore saluer et remercier tout le monde qui branchait Téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Nos présentations, c'est Linela qui est ensemble avec nous. N'a pas démarré information yo pour nous faire connaître famille présidentielle en célébré Saint-Jean-Baptiste dans la commune Trou du Nord dimanche 24 juin en présence plusieurs membres gouvernement et autorités locales. Yo. Président République Jovenel Moïse a profité organiser plusieurs activités dans Trou du Nord pour marquer fête là. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay a présenté nous un reportage. Famille présidentielle la fête Saint-Jean-Baptiste dans Trou du Nord pendant tout week-end. Nan. Vendredi 22 juin, président République la Jovenel Moïse fait cadeau télévision 43 pouces par plusieurs familles qui ont participé dans la première édition concours bétail dans Trou du Nord. Et puis remettre chèque par représentant diverses sections communales qui gagnent dans le concours. Une série prix par catégorie bétail qui sortit depuis 40 000 pour arriver jusqu'à 100 000 goudes. Tonton, comme tout ça, je suis tellement éclairé un peu. J'aimerais que je prenne mes quoi là. Mais mes compliments, ça veut dire nous, les gens, il faut qu'on fait. On dit mon 6 ans, ça veut dire pour maman, parents, ils ont mis l'école pour le gros, c'est éclairé, ça monte pour le monde, ça ne va pas personne. Il y a des gens qui ont couru. Là, ça veut dire. Pour qu'on ait un gros cadeau, est-ce qu'on a une télévision là, Kayou? Non. Pour la télévision? Non. Ah, et bien, mon cher, mal bon méchant. Mais mal bon télévision, est-ce qu'on a voté? Mbaka. Qui est-ce qu'on a voté là-bas? Tata, non. Ah, bon, mon cher, mes télévisions, regardez, venez. Bon, seulement, président, remercie. Nous merci. Eh bien, ok, Mona, ça veut dire, dégage Mona à la télévision. Et puis, Timounio, c'est eux qui t'a l'honneur, monsieur, dame. Après-midi, à dimanche, Grand Mounio, voilà l'honneur dimanche. Samedi 23 juin, chef l'État a inauguré un centre de formation professionnelle dans la ville Trou du Nord qui a une capacité pour recevoir plus que 700 jeunes filles et jeunes garçons. Il y a une opportunité pour apprendre 20 qualités métiers dans le centre. Dimanche 24 juin, la famille présidentielle a participé à la messe solennelle Fête Saint-Jean-Baptiste dans la paroisse Trou du Nord. Une messe qui déroulait sous thème Saint-Jean-Baptiste, aidez-nous vivre dans Rémen pour la paix blaye dans le pays. Nous. Son fait son année traversée.
Yon fête qui t'a le bout, bon place publique là, ak yon marathon qui sorti devant APN Ville au Cap pour arriver sous place Trou du Nord. Premier à César Yon Petrus recevoir 100 000 gouttes dans le président Jovenel Moïse. Deuxième gagnant, Fefe Lotus, recevoir 50 000 gouttes. Et puis Amos Desandieu, joindre 25 000 gouttes pour troisième place de remporter dans le marathon ça. Je dis tout jeune, nous connaissons. De nos jours, jeune, nous ne pouvons pas pratiquer sport. Au sport, les Québec santé ou état santé ou normal. Les mettre tes grands, les mettre tes petits grands monde, on fait sport, on fait sport. Sport, santé, éducation, c'est ça moi-même m'a pone. Yon pris 100 000 gouttes, vous dit qui ça pour? Mon quelque chose, l'a aidé dans la préparation de l'autre compétition m'bralé. L'a disponible pour manger, pour m'boire, pour m'acheter accessoires, tennis, montre, tout ça. L'a aidé dans la préparation. Beaucoup de 50 000 gouttes, ça fait un paquet de bagages pour moi parce que dans le marathon, on a fait, non pas vraiment d'encadrement parce que c'est même quoi vous faites dans le marathon, c'est même lui-même encore qui va préparer l'autre marathon qui gagne parce que nous n'avons pas de sponsor. Chef l'État qui distribuait plusieurs autres cadeaux tant que ballon, télévision à Moulin Maï, t'a profité d'informer Mounio sur divers projets caravane changement à exécuter actuellement dans le département d'Odessa et puis m'a des supports population pour permettre le travail ça au bien atterri. Combien de monde dans la barrage marion déjà? Ça veut dire que nous un gros problème. Un gros problème. Gardez qui quantité de monde qui est devant. Pas même 5% de monde qui compte travail à la fête. Dans la section communale, Grand Bassin, dans le quartier Grand Bassin, dans la commune Derrière Rouge avec la commune au pêche. Quand surtout, barrage marion. C'est le deuxième barrage d'irrigation qui a fait après 68 ans que le président du Massin estimé, président Magloire, et le président Duvalier ont fait un barrage dans Pélic. Je dis, nous-mêmes, nous pas à regarder, mais penser que le meilleur barrage, c'est pour nous commencer à déplacer, pour nous regarder le travail qui commence à faire, pour nous connaître l'un des meilleurs. Que moi-même m'a parlé de l'IA pour nous commencer à souci. En plus, Trou du Nord, fête Saint-Jean-Baptiste célébrée chaque 24 juin dans diverses autres zones en dans pays. Parmi eux, commune Gressier, Jean Rabel et Miragouane. Pratiquant vaudou, yo fête sous nos tijan. Et puis, franc-maçon, yo fête jour ça, yo relé la Saint-Jean. Nous avons toujours été dans la même zone, ça, mais nous parlons parler infrastructure pour nous faire connaître travail construction route dans le département nord-est pays a démarré pendant le week-end, ça, dans le cadre caravane changement. Techniciens ont fait asphaltage dans la rue Saint-Charles, dans la commune Trou du Nord. On suivit un reportage. C'est pas seulement dans Cap Haïtien caravane changement a fait route, mais tout dans département nord-est pays, spécialement dans Trou du Nord, route a construit. Là, on a regardé travail asphaltage rue Saint-Charles cap vance à grand pas. Population Trou du Nord applaudit l'initiative président républicain Jovenel Moïse pour embellir image pays à travers infrastructure routière. On travaille comme ça mes amis. Au monde. C'est au monde. Qui sent qui pas gain qui pas ta gain comprendre ça mais qui travaille pas très bien travailler ça un monde qui pas remet travailler ça mon cher mon salir lui pas connait qui mon hier même on comprend pas connait qui mon hier même un seul barrière m'a dit nous moi me travail là en pile et c'est pas seul qui s'y a là. Je viens là travailler mon connait là travailler tout pays tout côté net route la fait là il fait bien d'où parce que t'as passé poussière, quand il y a poussière, qu'on y a les lignes. On passe dans la route là, elle est bien belle. Bye. Grâce à la construction route ça, problème de l'eau avec la boue fini pour les gens qui comptent utiliser route ça, les pluie tombée. Travail asphaltage rue Saint-Charles là, rivé tant qu'un cadeau pour les zone là. Dans la période côté, mon Trou du Nord a fêté Saint-Patron, Saint-Jean-Baptiste. N'a pas rappelé, chef l'État a une vision pour construire environ 4000 km route dans tout le pays là. Avant fin mandat là en 2022.
Et puis, nous avons fait un président de la République, Jovenel Moïse, inauguré samedi 23 juin, toujours dans la commune Trou du Nord, un centre de formation professionnelle, côté jeune, capable d'apprendre différentes qualités métiers. Centre de formation, ça a joint financement Banque Interaméricaine Développement, BID, pour un valet 2 millions de dollars sous direction Institut National Professionnel, INFP. Sabine Jean-Étienne, journaliste Duvernay, reportage. Après un pile de difficultés, projet construction à l'école professionnelle Trou du Nord a démarré en septembre 2017 sous demande président républicain Jovenel Moïse avec financement Banque Interaméricaine Développement pour environ 2 millions de dollars. Il y a 9 bâtiments qui recevront les étudiants, salles équipées avec matériel moderne qui pour permettre aux étudiants de faire travail pratique. Yon initiative, autorité locale applaudit. La CAI, c'est la CAI, président. Jodia, la CAI m'a dit unité. Unité. Nous pas rater, nous pas rater train. Nous m'a dit unité. Nous m'a dit toute force politique dans Trou du Nord, dans le département, pour nous faire un protocole avec le président pour rêver Trou du Nord à réaliser. Centre formation professionnelle Trou du Nord a une capacité pour recevoir environ 720 étudiants. Couillot centré sous 4 grands secteurs en cours, textile, construction, hôtellerie et puis technologie, information et communication. Un véritable outil qui permet aux jeunes de mettre connaissance dans la tête et puis changer la situation économique. Yo. Nous là aujourd'hui dans une occasion spéciale. Nous là pour nous inaugurer l'école ça qui c'est l'école nous. Inaugurer une école, c'est partager avec monde qui dans communauté a. Un mot sur pain l'instruction, un mot sur formation, un mot sur la vie. Inaugurer une école, c'est offrir jeunes une chance pour yo bâtir avenir yo dans travail avec dignité. Inaugurer une école, c'est bailler communauté a opportunité pour développer connaissance sa compétence pour le cap prendre destin en main et pour le cap porter participation dans la construction et développement nouvelle Haïti. Président républicain Jovenel Moïse encourage les jeunes à prendre chemin l'éducation pendant qu'ils rejoignent l'opportunité. Ça a aidé l'administration à réussir dans un grand projet de développement socio-économique lié pour le pays. Jodi a, moi la caïman dans Trou du Nord, gros l'école professionnelle ça. Que m'a inauguré là qui gagne 20 métiers là-dedans. Ça veut dire qu'il y a 20 métiers moun ka apprendre ici là. Ça veut dire qu'il y a plus passé 700 jeunes femmes et jeunes garçons cap ka vinn apprendre ici là. Et là, il y a possibilité pour fond diplôme dans 12 mois. Pour l'autre possibilité pour fond gros diplôme dans 2 ans. Ça veut dire, j'en nous connais pour faire créole là, dit, deux hommes mouillés la pli, puis on qui mouillé plus passé l'autre. Ou bien doit décider pour venir dans l'école là, mais on dit ou pas arrêter fait diplôme 2 ans. Il y a possibilité pour faire un diplôme sous 1 an. Laisse ça connaître. Moun qui arrêter fait 2 ans lui-même, l'aile joue un job, il va le toucher plus passé. C'est ça pour connaître. Mais ça n'a pas empêché. Ou même ou un diplôme dans mon dans 1 an. Moi profiter remercier j'aime toujours faire publiquement chaque monde qui décide pour accompagner nous. Inauguration l'école professionnelle moderne ça fait partie divers projets qui réalisés dans Trou du Nord pendant fête Saint-Jean-Baptiste, Saint-Patron mon trou qui célébré chaque 24 juin. C'est un aspect tout dans la caravane changement qui exécute le travail selon besoin chaque zone dans le pays. Et puis, on a profité de faire qu'on comité pilotage État généraux sectoriel a organisé premier forum départemental dans Port-de-Paix week-end passé. Ces représentants secteurs qui sont dans diverses communes département nord-ouest qui ont participé dans la rencontre ça, qui déroulait dans la salle paroisse cathédrale dans la ville Port-de-Paix. Correspondant nous, Marc Eddy Ossam, tu es sous place, l'abdi nous plus.
Objectif forum ça, c'était pour lancer officiellement débat sur état généraux sectoriel là dans le département Nord-Ouest là. Côté après rencontre là, tout représentant secteur qui te répond présent yo retourner dans commune avec section communale yo pour aller brasser l'idée avec l'autre mam yo sur problème communauté yo a fait face depuis dix d'antan et puis produit un cahier de charges. Document ça doit être disponible d'ici première semaine mois d'août qu'a venir là d'après précision Louis Nopierre qui est directeur exécutif dans comité pilotage là. Lancement d'État généraux dans le Nord-Ouest. Travail là, c'est nous-mêmes qui pouvons le faire. À la fin des discussions, nous avons un cahier de charges, côté que nous avons conseillé diagnostic nous fait dans chaque section communale, dans chaque commune, au niveau département. Nous avons envoyé le document ça, premier semaine, mois août, par le secrétariat technique là, pour nous capables de faire synthèse. Professeur Eloi Emmanuel, membre comité pilotage là, qui t'a expliqué qui ça État généraux sectoriel là, montre nécessité désormais pour tout petit pays à Chita sur même table. Alors, non, président, responsabilité là, son bagage comme ça, les viseurs à venir meilleur pour Pétia. États-Unis, c'est comme si on combine national. On combine tout, mais ensemble, nous vîmes plus fort, nous visons l'intérêt national. Parce que, après, je mange cher, chacun pour soi, tout le temps là, c'est blocage pour le développement. Yo démarche, participants, yo, t'es accueilli avec deux mains. Yo t'es invité, tout secteur, yo, pour t'es bien participé dans la forme. Pour moi-même, c'était une très belle démarche, c'était une très belle initiative. Le monde pour de paix content parce que pour de paix c'est le premier côté qui accueille forum là nous même nous content nous applaudis des marches là prochain grand rencontre là prévoit pour mois novembre 2018 là pour une dernière discussion entre membres comité pilotage là à représentant secteur yo sous cahier de charge là avec ensemble recommandation qui fait la donne yo depuis cité Capois la mort pour de paix Mark Idi Osam antenne télévision l'état. Merci Marc Edi Osam. Et puis un point qui a dominé l'actualité en pas boy ici, c'est examen baccalauréat pour année académique 2017-2018 là qui démarre jeudi lundi 25 juin sur tout territoire national là. Pour première journée, candidats différentes sections yo t'est composé dans philosophie non matin avec biologie non après-midi. Marie-Jolouis avec Henri Robert Chéri a présenté un reportage sous déroulement premier jour épreuve officielle sa yo dans centre côté timoun handicapé yo a composé on suive. Plus passé 144 000 candidats, parmi eux 14 handicapés, 6 aveugles, 5 sourds, 3 handicapés à moteur, a participé dans la session ordinaire baccalauréat pour l'année académique 2017-2018. Là. Pour la première journée, candidats ont été composés dans la philosophie et la biologie. Responsable centre institution adventiste auditorium la Bible, côté candidat qui gagne déficience en physique, yo a subi épreuve. Saïd Brunel a expliqué qu'il n'y a pas enregistré aucun cas d'irrégularité pour le premier jour. Candidat a été présenté à l'heure sans compter texte qui, d'après lui, te paraît facile. Auparavant, Timoun a vu qu'il composé avec machine dactylo. Puisque il n'y a pas gagné machine dactylo pour avec yo. Puisque les machines d'actilo passent sur les marchés, le ministère n'a pas joué une machine d'actilo pour acheter pour eux. Nous sommes obligés d'utiliser notre méthode si encadreur. Encadreur n'est pas là pour les poules, ni pour les là pour encadrer pour eux avec la dictée, nous voyons dictée et résultat, ou soit ça mette là, et puis encadreur a écrit pour eux. À cause de problèmes de machines d'actilo qui pas gagné. Mais auparavant, les machines machine d'actilo pour fixer les machines et nous voyons composer. Il sent qu'il n'a pas besoin d'encadrer, seulement encadrer à la pour garder s'il est la blanche ou soit s'il font faute pour aider le corriger, pour aider le passer liquide PP parce qu'il n'est pas prêt pour le passer liquide PP. Mais malheureusement, puisqu'il n'y a pas de machine dactylo, nous sommes obligés d'utiliser un encadreur qui peut écrire pour vous. Mais même si encadreur a écrit pour vous, mais c'est ça, il dit encadreur. Encadré a écrit, mais ce n'est pas ça, encadré a, ça peut être encadré pour encadré a écrit. Yon commissaire responsable examen officiel yo dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Saïd Brunel, a précisé plus loin toute disposition te déjà pris pour faciliter candidat avec besoins spéciaux bien composés. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas de problème, tout candidat nous venu, nous n'avons pas absent, tout candidat nous présent, et nous avons déroulé assez bien, et nous avons
Après, on va terminer avec le premier examen qui c'est philosophie et le deuxième examen qui est biologie. Nous gagner pour monter monsieur une parmi transcripteurs qui gagne pour monter dans le lycée fermier pour mal transcrire examen philosophie pour Timon avec eux non biologie pour que les nous porter examen en noir pour l'autre Timon qui a des problèmes visuels pour qu'à composer et sans difficulté même là l'autre Timon. Épreuve officielle session ordinaire baccalauréat déroulée sorti lundi 25 ans pour arriver jeudi 28 juin 2018 là dans tout département géographique pays a. Merci Marie-Jo ak Henri n'a pas poursuivre pour nous faire connaître dans occasion 47e lundi de la presse ministère communication recevoir lundi 25 juin 2018 là. Directeur général Radio à Télévision Nationale d'Haïtien, Gamal Jules Augustin. C'était occasion pour directeur général RTNH Lan présenter travail li réalisé dans tête institution hein, avec perspective yo gagnant. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Émission caravane hein, qui te permet population pays d'Haïti garder qui j'ai que caravane dans ville lancer sur tous 10 départements. Nous t'ai commencé avec département sud là d'abord, nous t'ai commencé avec l'Artibonite d'abord, nous t'ai metté et caméra non sur tout ça que t'as fait dans l'Artibonite. Après ça nous t'ai suivre caravane hein, qui t'a atterri dans sud et puis nous t'ai remonté dans Port-au-Prince côté que nous président de la République là t'ai lancé caravane dans tout département dans pays là et jusqu'à présent mesdames et messieurs pour nous même qui regarde télévision nationale d'Haïti et nous on rendez-vous déjà chaque samedi de 5h de l'après-midi, on regarde caravane changement. On pas qu'à inventer travail yo, on toujours dit travail yo a fait vrai, les images sont là et images yo là puis on parler pour tête yo. Nous gagne plus l'autre émission encore qu'a venir. Par exemple, nous pas prendre été 2018 là. Et TNH avec Radio Nationale lancé ça aurait été chaud. Été chaud après elle gagne plusieurs émissions d'elle. Son brillier, c'est comme de son brillant. Son façon pour nous vendre été a. Nous avons été chaud, mais en dehors été chaud, il y a plusieurs autres activités d'été qui ont fait en dehors. Par exemple, nous avons une course bicyclette. Nous avons fait des courses bicyclettes pendant l'été, nous avons fait un mondial la fin pour nous capables de lancer l'activité par nous. Nous avons un championnat domino que nous avons fait en dehors de la télévision. Nous avons tout championnat basket des rues. Et c'est tout son 3-3 qu'a fait dans la rue, qu'a fait pap, nous voyons exactement ça n'a fait, si n'a fait dans la côté NH là, ou bien si n'a pris et tiré sous côté A. Nous sommes en négociation avec la mairie et de Delma pour nous connaître qui j'ai que n'a lancé. Nous sommes aussi en train de négocier avec plusieurs autres et chaînes câblées à travers le monde. Pour que ça me dise ça, parce que en Haïti, TNH sous vos égratistes, chérie. M'a tout profité par de ça dans la conférence. Dans tout. Et m'écrit New TV sous ça. Nous écrit et New TV, nous écrit Télé Haïti sous ça. Nous écrit Canal Plus sous ça. Tout. Nous passons à travers Konatel pour nous faire. N'a tout profité de demander pour respecter la loi PIA qui dit que télévision nationale égratiste, chérie. C'est-à-dire que même si vous avez un abonnement New TV, même si vous n'avez pas payé, vous supposez qu'il y a TNH. Vous avez coupé toute votre chaîne. Mais on pas gain droit couper télévision nationale. Par télévision nationale, on pas ka vendre ni dans pays d'après loi cadre qui t'est fait lui, on pas ka vendre ni en Haïti. J'ai accédé à la radio en novembre 2017. Les m'y venir dans la radio et on capable dire nous que m'étais hérité d'une radio qui pas sous bande FM là. Même là elle était présent, mais c'est parfois le marché, parfois pas marché. En plus monde pas senti force radio. Radio nationale t'est perdu identification, il pas de bien valer encore. Sous bonne FM. Qui ça nous fait? Première décision que nous prenons ensemble avec la commission responsable média d'État, nous te chita ensemble pour nous jouer nos stratégies, pour nous jouer nos façons pour nous dévouer Radio Nationale monter encore. Nous te fait choix, nous te mettez choix sous dos Edwin Lozama comme coordonnateur général radio, quelqu'un qui s'y connaît, un monde qui connaît radio très bien, qui te vient encadrer moi. Et puis ensemble, nous te décidé que, encore une fois, premier changement pour faire, c'est passer main en programmation. Nous avons passé main en programmation Radio Nationale. Qui fait que je dis à la Radio Nationale, même j'en étais en vent, Black Ata a fait plat à 5h du matin debout. À 5h du matin, nous même nous là pour nous faire information, pour nous dire qui ça a passé. Et l'autre changement que nous avons fait tout dans Radio Nationale, nous avons deux fréquences, tout le monde connaît. Nous avons 105.3, nous avons 102.1. Nous avons au commencement, font-il fermer 102.1 pour nous ajuster en façon pour nous mettre 102.1 pour nous couverture nationale là. 105.3, li ba nou couverture zone métropolitaine là qui a marché très bien. 102.1 c'est pour couverture nationale là qui installé déjà Delpech. Nous tout ta capable image ça sur télévision nationale l'installation qui était faite Delpech et qui mettait nous déjà à 75% de la couverture nationale de la radio nationale. Li rete nous pour nous stabiliser
et commission média d'état a fait informer tout à l'heure là que nous très proches pour nous capables et joindre l'argent que nous besoin pour nous capables finir couverture nationale là. So me penser que sous peu mais des équipements yo là nous pas l'acheter yo et les techniciens sont prêts. Moi même personnellement le plan est déjà là, plan détaillé, nous t'ai présenté plan déjà à l'état haïtien. So yo connaît qui gens que nous va l'exécuter. So me capable de dire que bientôt pour la RNH et pour la télévision nationale d'Haïti, les 27 750 km² n'a pas couvri. On a toujours été dans le même sujet ça pour nous faire connaître la 46e conférence lundi de la presse. C'est occasion pour le directeur général Radio-Télévision nationale Gamal Jules Augustin. Parler sous ensemble, mais y prendre au niveau administration, institution, ça, pour permettre de fonctionner comme ça doit. Puis loin, directeur général RTN Achelan expliquait, mais il faut respecter ça, la loi sous fonction publique là, exiger. Il y a un extrait. Au point de vue administration, on prend une décision, tout. Il y a eu beaucoup de changements, je dois vous le dire. Et gain pile changement que gain monde qui dit que peut-être que nous pas de sous effet mais nous pas de gain choix et par exemple à la radio nationale on a dû faire des changements au point de vue de l'administration c'était gain pile des autres nous tout profiter nous là on parle de corruption et m'a tout profiter pour passer un petit trait sur ça lors tes grand administrateur en radio qui prend ça les sont en quatre débit c'est du désordre. C'est du désordre et l'action publique est déjà en mouvement, la justice est déjà au courant. Nous-mêmes, nous faisons travail par nous. Nous avons cherché, il est peut-être porté disparu pour le moment. Mais cependant, les dossiers sont là et nous, l'État haïtien a là pour être capable de défendre cause par là. Parce que et corruption, le gouvernement a goumé contre corruption. Nous-mêmes, point de vue corruption, tout. Si on parle de récemment, l'État haïtien a demandé pour tout chèque rentré, c'est direction pour payer chèque. Et à la radio nationale, on a eu peut-être 12 employés que j'ai jamais vus, que finalement je viens rencontrer, qui étaient venus chercher chèque. Dans le pile, on a eu cap travail ailleurs. On était obligé de prendre des décisions contre eux. De dire que soit travail, par exemple, il y a un citoyen Mbabal qui travaille à l'EDH et puis il travaille à la radio nationale. So, je suis obligé de faire un choix. Parce que l'État a gonjé que l'opérer, nous avons des jeunes et, qui sont qualifiés, qui cherchent emploi. Qui n'a pas qu'à jouer un emploi pendant que y a une série de monde tout qui prend avantage sous l'État. Nous jouons des hommes tout qui vivent à l'extérieur du pays. Mais chèque était toujours à déposer. Quand nous camper ça, il y a plus de direct déposit. Il n'y a pas qu'à payer un ticket pour chèque là. So, chèque là maintenant, mais nous, et ça nous fait nous-mêmes, nous baillons, ça aurait les abandon de poste. So, automatiquement, nous baillons abandon de poste. Et nous respectons la loi fonction publique, l'agent de la fonction publique l'a dit pour avancer là. De l'autre côté, directeur général Radio-Télévision Nationale l'a annoncé, il a continué avec le programme emploi à temps partiel pour élèves l'école. Yo. Côté élèves sa yo, a gain pour travail dans le niveau archives, radio et télévision, l'État. DG RTNH l'a expliqué, il a travaillé pour rajeunir médias l'État sa yo, et puis annoncé un processus recrutement non moins cap vini la yo. Il y a un extrait. Avec assistance gouvernement, parce que nous avons demandé des équipements gouvernementaux pour équipement pour mon travail, administration Moïse Dafontan, nous commençons à rentrer dans l'archive télévision. Un archive que personne n'a pas depuis 1979. Mais c'est l'archive ça qui gagne mœurs nous. C'est l'archive ça qui gagne coutume nous. C'est l'archive ça qui gagne culture nous. Alors actuellement là, nous avons l'archive là. Nous gagnons des élèves, comme nous faisons chaque année, nous faisons l'année passée déjà. Nous prenons des élèves qui sont sortis dans les écoles secondaires de la République d'Haïti, bon pas de la République d'Haïti, de Port-au-Prince, excusez-moi, nous n'avons pas force pour nous faire sur toute la République d'Haïti, hein. Mais nous dépendons des élèves, 10 qui deviennent faire et emploi à temps partiel, qui deviennent travailler dans la télévision, nous avons payé un petit cob pendant 2 mois, et mais nous refaisons même programme là encore année ça, et nous parlons des élèves ça, nous ne pouvons pas permettre que ces élèves ça qui travaillent dans l'archive là. Un, étant que vous toujours été l'école. Parce que vous pas l'apprendre de ce qui est fait en 79, vous pas l'apprendre de ce qui est fait en 1980, vous pas l'apprendre de ce qui est fait dans l'histoire du pays. Alors, c'est là que nous y sommes avec Radio Télévision Nationale d'Haïti. Et nous travaillons tout, ça qui est très important pour moi, il y a des gens qui ont parlé, mais je me dis là, mais nous travaillons tout sur le rajeunissement média d'État. Parce que sans rajeunissement média d'État, nous pas gagner un média encore dans 10-15 ans qui vient. Il faut que nous commençons à rajeunir. Et pour nous faire ça, nous pas faire l'arbitrairement parlant, nous accompagner. Les grands, je veux dire comme ça, et les gens qui ont plus d'expérience, nous accompagnons pour être capables de prendre retraite. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous sommes capables de dire
Entre télévision avec radio, nous croyons que nous avons 15 de monde qui est en fil retraite qui est en passé, ça qui permet nous à partir de septembre pour nous faire l'autre recrutement, encore une fois, j'aime dire avec l'OMRH. Bon, bon, arrivé pour nous prendre notre pause dans le journal ça, amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché, n'a tourné tout de suite. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Téléjournal sous TNH. Après, poursuivre avec information pour nous faire connaître. Deuxième édition IT Tech Summit réalisée vendredi 22 et samedi 23 juin sous Côte des Arcades. Sommet ça qui était déroulé en présence plusieurs personnalités, tant que fondateur application Twitter, Jack Dorsey, ministre haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau, Guy-André François, et ambassadrice pays États-Unis en Haïti, Michel-Jeanne Sison, t'es occasion pour divers entrepreneurs et experts qui travaillent dans le domaine technologie, viennent partager expérience. Président républicain Jovenel Moïse, dans circonstances là, renouvelé engagement pour travailler pour développer pays. Chef l'État promet la continuer à accompagner toute initiative qui visait améliorer conditions la vie peuple haïtien. On écoute plus explications dans micro Louis-Nel Jean-Louis avec Moïse Wilbridge. Cet incubateur technologique Alpha son rêve l'été. Jodi a existé. Haïti Tech Sommet, dans la tête de souffrance, c'est un rêve l'idée. Il y a une idée de projet, il y a un projet, il y a une méthode sous une forme de plan, et puis aujourd'hui, il y a une deuxième édition. Il faut nous pas suspendre rêver. Grosseur, ça n'a pas lieu demain, c'est grosseur rêve nous aujourd'hui. Je prends engagement devant nous pour me dire que Haïti, pral bien courant 24 sur 24 s'engagement ça. Parce que comment on va le développer toute plateforme technologique ça? On prend exemple un pays tant qu'aux États-Unis. Nous voyons qui ça? Gros plateforme tant qu'au Amazon, il est sur internet là je veux dire. Ça veut dire son plateforme côté pas grand yon besoin qu'on y a moins Amazon commence à délivrer en Haïti tout. Ou acheter sur Amazon, vous venez délivrer directement l'adresse ou la carte. Ça veut dire nous-mêmes, tout le monde va vous vendre. Mais à qui ça nous va vendre? À qui ça nous va vendre? Si nous pas développer application, nous pas une plateforme technologique, pas nous. Moun qui produit cacao, café dans la zone organisée, les gens doivent faire un café et puis pour le mettre sur Amazon qui vous vend. Mais côté plateforme technologique, nous, côté. Moi, pas ta souhaité. C'est l'année prochaine, en 2019, pour me venir à Haïti Tech Summit, sans beaucoup de réalisation que Haïti Tech Summit a fait avec le gouvernement, avec l'État ici en Haïti, n'a fait la plateforme technologique, ça y est, même y'a fait ensemble. Maintenant, mais l'année prochaine, les maps viennent dans la troisième édition pour me commencer à connaître comme une plateforme qui crée un pays déjà. Map dit tout opérateur. Président Sakla Kounia livre l'internet sous 27 750 km² pour nous. Parce que tout ça n'a pas dit là, pas qu'à fait sans internet là. Parce que c'est internet là, c'est courant, c'est le moteur. Il n'a pas qu'à fait sans. Moi, quoi que acteur, attendez. Et c'est pour ça, moi, j'ai des gros réunions d'ici. Semaine à venir avec les gens qui concernent pour nous garder ensemble pour le problème internet là parce que moi j'ai un document que le cabinet a préparé pour moi. Moi, Jean, nous parlons de l'électricité, que nous besoin d'un réseau électrique national. Internet là tout, les besoins d'une infrastructure pour le chita sous nous. C'est pour ça que nous allons parler, nous allons regarder ensemble sur qui infrastructure aujourd'hui à nous chita qui problème qui gagne pour que solution nous porte. Parce que dès qu'on prend une décision pour venir faire business en Haïti, le premier sac pour intéresser, c'est bien-être population haïtienne.
Kounia n'a fait connaître brigade opération intervention départementale Boyd célébrée 3e année existence li dimanche 24 juin 2018 là dans local Yoa. Dans yon messe action de grâce t'est chanté dans occasion pour marquer Datila. Darline Dorival à Wilson Idoré t'est présent y a ban nou yon reportage. Brigade opération intervention départementale Boy célébrer 3e anniversaire depuis yo existé dans la police là. Cérémonie ça déroulé dans local unité qui trouvé dans quartier fort national. Côté plusieurs agents Boy a regardé police nationale d'Haïti participer dans activité pour marquer date ça. Parmi yo, yon mes action de grâce. Dans l'occasion, le responsable Boy là, commissaire Fernel Saint-Il, rappelé mission agent yo qui s'est lité contre criminalité côté qui plus difficile yo, renforcer commissariat et sous-commissariat dans tout département yo. Commissaire Saint-Il encourager tout agent Boy yo continuer respecter engagement et mission yo pendant y a fait ça la loi mandé. Les policiers sont constamment en première ligne face aux violences, aux incivilités, à l'irrespect, à la recherche des délinquants sur la voie publique au péril de leur vie. En ce sens, on peut dire qu'il existe des héros du hasard qui sauvent leur prochain à un moment de leur vie. Mais il en est d'autres qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement de chaque jour. C'est le choix que vous avez fait. C'est un choix remarquable. Car il n'y a jamais d'intervention banale dès lors que des vies humaines sont en jeu. Par votre engagement et votre dévouement, vous incarnez le modèle idéal d'implication active dans la lutte contre la grande criminalité qui tend à s'installer petit à petit dans l'aire métropolitaine. Brigade opération intervention départementale Boy, c'est une unité spécialisée police nationale d'Haïti qui gagne 254 policiers. Merci Darline Aquilson. Kounia nous parler dans le département Grand-Anse. Côté député circonscription Jérémy en Gladys Saint-Jean lundi, expliquer département Grand-Anse là a fait face à gros problèmes sécheresse côté depuis plusieurs mois la pluie pas tombée. Et une situation qui la cause habitants dans Jérémy a perdu jardin yo. Député Jérémy en profiter fait connaître population dans circonscription a fait face tout à divers problèmes tant que santé qui pas gagnant et puis problème électricité. Député Gladys Saint-Jean lundi était dans micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge l'a dit nous plus. Moun yo sécheresse doublée de tout l'autre problème que gagne qu'on a une grosse sécheresse qui fait rage parce que la pluie pas tomber pour permettre que même si nature est capable lui-même fait que et plante produit pour contre corio mais malheureusement la pluie qui pourra oser qui vous permettre que lui tomber et Saint Jérémy situé c'est pas deux zones qui ou qu'a fait de et travaux d'irrigation là dans ni donc c'est pour dire que bah la li machiavélique li difficile et si pas gagné vraiment une intervention urgente qui fait sous la grandance moi même moi crois que mon y a enregistré le pire. N'a profité enchaîner ensemble avec député Roseau, hein, Ronald Toussaint, qui lançait appel bon côté gouvernement en place là pour démarrer travail construction pont sous localité Foncochon, non commune Roseau. L'été dans micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge, en côté député Ronald Toussaint. Roseau à quelques kilomètres de Jérémy, lit dans le noir. Roseau et c'est et 10-12 minutes machine à Jérémy, Roseau pas gen courant. Moun Roseau a boué de l'eau dans sous toujours. Moun Roseau pas gen même gen un lycée qui ka permet que jeune Roseau yo et aller l'école apprendre en bagaille. Pas gen voie pour ta gen école professionnelle. Donc Roseau dépourvu de tout en commune qui est là depuis 1909. Et Jérémy, il va manquer en pile pour EDH connecter à Jérémy dans le réseau Jérémy qui gen réseau électrique qui gen Jérémy pour que gen courant Roseau.
Et puis, dans le chapitre infrastructure, là, on a fait qu'on a un travail construction route Kafouchal-Koraïla a continué. Travail ça qui est rentré dans le cadre caravane changement a couvert en mesi 10 mètres. Population dans zone ça félicité autorité dans l'État qui a fait effort pour changer image paysan et améliorer condition la vie moun qui dans zone reculée d'après yo. Reportage Phalange Delphin avec Pams Jean-Baptiste. Facilité moun ak bèt, moto ak machine, c'est pral principal utilité route qui sorti Kafouchal pour mener Koraï. Construction route ça qui déjà avancé a permet moun kap sorti dans plusieurs sections tant kou la Combe, Roche Cassé, Fondicac, Dukilon, Mouline ak troisième section Champi entre sans difficulté dans ville Koraï pour mener activité yo tant kou al nan marché, l'école, l'église et la trier. C'était occasion pour ingénieur résident caravane Rémi Wisland expliquer effort technicien CNE ak travaux publics a fait pour finir 3 km route qui pi prévu là pour faciliter moun vin participer dans fête Saint-Pierre patron commune nan 29 juin k'ap vini là. Fête patronale Saint-Pierre k'ap rive vendredi là. Donc bon, nous presque quitter tout travail que nous t'a fait yo pour nous focus dans rentrer ville là, c'est-à-dire dans 3 km. Nous focus dans 3 km pour nous faire nettoyage. Malgré ça, l'autre devant, il y a des blés qui mais ça empêche mon yo. Mais nous focus sur 3 km pour nous faire nettoyage pour rentrer ville là. Sous t'es rentré dans ville là, nous faisons nettoyage des boisages, des boussaillages, on prend. On a fait remblayage tout devant, mais pour le moment nous focus dans 3 km là juste pour nous faire la propre. Nous avons des déblais là n'a plus veli pour nous voir dans et route secondaire dans notre troisième section. Donc finalement c'est ça gain. Donc on a fait nettoyage juste pour faire la cabelle. Population dans zone si là remercie chef l'État et chef gouvernement qui vient acquider caravane dans la commune. Moun sa yo ki tap montre valeur ak importance route sa gen pou yo, mette accent sou difficulté yo te konjwen nan route la, le la pi tombe, tankou la bou, glou. Mwen avèk panou an, mais kon nyan nou jen ak panou an kap ban nou route la. Li vraiment bon pou kon nyan la, parce que nou te nan difficulté route la, kon nyan la grâce à DP Wolf Papillon, juste ki fait gen possibilité route la. L'autre ça c'est difficile parce que nou pa gen bon encouragement, parce que nou pa gen bon trace, kon nyan nou gen bon route publique. Parce que son fierté. Route là, c'est un bois. Nous ne pouvons jamais jouer un bon chemin pour nous passer. Quand nous avons une grande route, nous sentons plus bon. Vision chef l'État Jovenel Moïse, c'est interconnecter commune Koraï à commune Pestel. Ça va permettre l'arrondissement des enclaves. Merci Falande ak Pams. Député circonscription Mirbalais Abel Descollines dénoncé situation contrebande qu'a fait sous frontière depuis plusieurs mois. Abel Descollines expliquait l'État haïtien perd du 450 millions de dollars américains chaque année dans pratique contrebande là. Député Mirbalais a demandé autorité concernée pour renforcer présence en police nationale là sous frontière et puis mettez plus moyens nécessaires pour agents douaniers arriver faire travail contrôle yo. On suit. Depuis pratiquement 2 à 3 semaines, dans le poste de contrôle de la douane, que ce soit au bas du Mona Cabri en provenance de Plateau Central, dans le niveau zone Papaye en provenance de Thomasique, mais tout à travers de l'autre région dans le pays, hein, des agents douaniers qui armés, yokembe ont ensemble de machines de transport, notamment de typicop, parfois de bus Yas, capoté de marchandises en provenance de la République dominicaine. Sur le principe, nous pas gagné absolument aucun problème que gagner contrôle sous quelle que soit machine qui potait contrebande. Mais ça que nous constater et nous dénoncer, c'est que la loi prévoit, lorsque yo intercepté en machine qui portait contrebande, eh bien, doit gagner une procédure célère, rapide, pour permettre que gagner une décision qui prend. Comment nous imaginer de transporteurs, parfois mounan ces machines gagnent, qui toute ville, yo intercepté dans niveau un poste douanier,
Parfois, machine en fait un mois, deux mois, trois mois, sans que service qui l'a dans le niveau la douane, yo pas prend aucune disposition. Ça qui posait un gros problème dans le niveau plateau central, mais dans le niveau l'autre zone frontalière. Et puis dans ça qui gagne avec période vacances là qui déjà mettait pied, la police déjà mobilisée pour garantir sécurité diaspora qui vient passer vacances dans le pays d'Haïti. Directeur départemental l'Ouest Police Nationale Lambert Sansol Jour fait connaître et lancé une opération qui relait Bienvenue, opération Bienvenue dans l'idée pour renforcer climat sécurité pendant période vacances là. Dit dans micro Sainte-Croix Paki à Rémi Godjit. On suit. Disposition, tu as dit que la direction départementale la te prend et qui vient de support directeur central, non, c'est DCPA, c'est ça n'est l'opération Bienvenue en Haïti et qui vient d'Acadie, qui a une phase qui a commencé, hein, donc qui a couvert une période de mars à juillet. Hein, d'ici début juillet, donc première phase, elle est finie. Donc nous avons parlé de 90 jours, 3 mois, mais par exemple, c'est une opération que nous avons et essayer n'a regardé comment lié et donc jusqu'à présent nous avons des résultats et m'ta ka dit dans deux premiers mois nous pas gagné aucun cas d'attaque du tout et nous venons gagné quelques cas qui a enregistré dans dernier jour ça yo donc n'a ajusté et nous pour relancer puisque l'a mobilisé n'a vraiment renforcé et mettait plus monde plus moyens parce que nous connaît nous a rentré dans ligne droite côté que vacances a commencé côté n'a préparé pour nous recevoir ensemble de monde dans diaspora donc nous dit mon yo pas inquiété yo donc la police nationale qui a fait un pile effort pour professionnaliser tête li et nous conscient évolution qu'a gagné et nous même n'a prend toute disposition pour nous capable garantir sécurité de sauter au sortir aéroport jusqu'à côté au bralé et dans ce sens là nous connaissons tous collègues mobilisés n'a demandé redoubler d'efforts et n'a profité de micro pour nous féliciter eux hein, notamment le commissaire de l'aéroport qui lui-même vraiment et c'est un maillon très important pour nous dans question ça qui toujours à chaque fois que gain un vol en retard et pour que nous capables vraiment mobiliser dans axe qui important et des points stratégiques côté tout ensemble d'équipe unité spécialisée, nous avons BIM, nous avons UDMO, SIMO et BOY, ensemble de commissaires dans la zone métropolitaine pour nous occuper, nous avons des points qui sont occupés et parallèlement, nous avons SDPJ tout qui lui-même a agi avec des citoyens de bonne volonté qui nous des renseignements, des informations qui permettent que nous avons pile dans les qu'on a fait braquage qui actuellement des barreaux. Et donc, nous ne pas dire tout, mais nous avons continué pour que nous soyons capables d'identifier, rechercher et arrêter tout le monde qui a commis des infractions et qui a nuit au pays. Hein. Moment arrivé pour nous prendre une autre pause dans le journal. Arrêtez branché. Naptouna. Président République Lan Jovenel Moïse inauguré samedi 23 juin dans la commune Trou du Nord et en centre formation professionnelle pour jeunes apprendre métier. Examen baccalauréat a commencé jeudi lundi 25 juin sur tout territoire. C'est environ 144 000 candidats qui ont subi épreuve yo, sorti 25 pour arriver 28 juin 2018 là. Deuxième édition Haïti Tech Summit réalisée vendredi 22 à samedi 23 juin sous Côte des Arcadins en présence de plusieurs personnalités tant que fondateur application Twitter Jack Dorsey, président République Jovenel Moïse dans circonstances l'ont renouvelé engagement pour travail pour développer pays. Dans l'occasion 47e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir jeudi lundi un directeur général radio à télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin. Dans l'occasion, un directeur général RTNH l'ont présenté travail réalisé dans l'institution ça à perspective ligain. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, président turc Recep Tayyip Erdogan réélu pour un cinquième mandat à dimanche 24 juin. Il remporté l'élection Sayo depuis un premier tour avec 52,5% voyo. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine ça. Dans présentation, c'était Linela Sandra André. Nous remercions toute l'équipe qui t'a mobilisée pour te river en possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.